Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. L'introduction, je vais être très très court. En gros, sur le jeu, là je suis dans la zone de neige. Je vais essayer d'être très très rapide. Je suis dans la zone de neige. Et en fait, ça fait très longtemps que j'attends de recorder une vidéo là-dessus. Mais en fait, dans le jeu, il y a des boss. Il y a des boss qui spawnent du coup de façon un peu aléatoire selon les zones et tout. Il y a différents boss qui ont différentes tactiques du coup à adopter pour réussir à les tuer. Vous le voyez à l'écran. Je vais vous ouvrir la minimap. C'est le point rond violet. Voilà. Vous le voyez à l'écran, c'est le point rond violet qui est en plein milieu. Je suis désolé, je suis sur le téléphone cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai lancé l'enregistrement totalement à l'arrache parce que ça fait très longtemps que je vous recorde un combat de boss et je peux enfin le faire. Donc voilà, je vais peut-être me foirer en tirant et tout parce que je suis sur le téléphone. D'habitude, je suis sur la tablette et sur le téléphone, c'est un peu galère. Bref, on va se lancer. Histoire de vous expliquer pourquoi c'est très important de faire le combat de boss. Parce que le combat de boss, vous allez voir à la fin quand on va récupérer les ressources. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a une micro bande noire dans l'écran, je suis désolé. En fait, les boss vous donnent des barres d'or, les barres de gold tout simplement. Vous donnent également plein de ressources, vous allez voir. Je vous spoil pas trop, je vous montrerai ça à la fin. Donc voilà, ça c'est le boss de la zone de neige. Voilà, donc tout simplement, bah, il suffit de lui tirer dessus. Là j'ai pris l'Uzi, je lui tire dessus, ça fait des dégâts. Comme d'habitude, il suffit de viser la tête pour faire des dégâts critiques, tout simplement. Du coup, bah, on vise la tête pour faire plus de dégâts. Vous le voyez à l'écran, il y a plein de gens sur la map. C'est pas des gens du clan. Enfin, je peux me battre avec des gens du clan si j'en veux. Je peux faire des teams avec des gens du clan. Mais là, c'est pas du tout des gens que je connais. Regardez, lui, il est chez Kraken. Lui, il est chez Army. Voilà. Lui, il a un pompe. Non, il a pas un pompe. Il a je sais pas quoi. Enfin, voilà. Tout le monde a des armes différentes. Il faut savoir que c'est pas le même boss dans toutes les zones, d'accord. Chaque zone a un boss différent. Là, c'est dans la zone de neige. Je vais essayer de vous recorder le boss dans la zone de désert le plus tôt possible. Et voilà. Donc, en gros, ce boss-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce boss-là, il est assez facile à faire, mais il est un peu tenace parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'HP. Et en plus de ça, c'est galère parce que dans la zone de neige, il y a la tempête de neige. Et du coup, bah, la tempête de neige, je crois que le son du jeu est un peu fort. La tempête de neige, bah, du coup, bah, vous empêche d'être dans la zone et de sortir. Du coup, vous devez vous abriter. Pardon. Donc voilà. Ce boss là, qu'est-ce qu'il fait? Il a un truc un peu spécial. Il va simplement lâcher des petits lui, en fait des mini moi en quelque sorte. Enfin des mini lui du coup. Voilà, donc là je suis en train de me faire attaquer par un des mini boss que le boss a relâché. Voilà, je sais pas si c'est clair ou si vous comprenez le délire ou pas. Mais en gros, eux vous voyez qu'ils sont un peu débiles. Il n'y a pas besoin de les tuer. Ils nous attaquent juste si on est genre à moitié AFK comme ça. Je suis en train de vous parler, je joue pas. Le bot va voir que bah voilà que je suis en train de rien foutre. Du coup, bah à ce moment-là, il y a une petite bête qui va se diriger vers moi, qui va m'attaquer, me faire des dégâts, et voilà. Mais sinon, le but étant de détruire le boss, de le réduire à zéro, à néant, tout simplement. Donc là, on lui fait des dégâts. Il crache, évidemment, des petits trucs toxiques si on marche dessus. Je vais pas marcher dessus, hein. Malheureusement, je vous montre pas du tout comment ça se passe si on marche dessus. Mais on perd des HP, je crois qu'on perd genre 100 HP, un truc comme ça. Et voilà. Alors en fait le truc c'est que j'ai pas de heal. Je suis parti totalement à l'arrache de la base. Parce qu'en général ça attaque sur Discord. D'ailleurs il y a mon Discord dans la description. N'hésitez pas si vous voulez être au courant des boss notamment. En gros ça attaque sur Discord. Ça dit tiens il y a le boss dans 2 minutes et tout. Parce qu'en gros vous êtes sur la zone. Ça vous envoie une notif comme quoi il y a le boss qui arrive. Et ensuite tout le monde se rejoint sur la map. Et tout le monde essaie d'arriver pour tuer le boss. Et bah du coup lui mettre cher. Récupérer les récompenses. Parce qu'on va pas se mentir que les récompenses sont giga value. Bon attendez, je vais quand même essayer de faire un peu de dégâts sur le boss parce que là je suis en train de rien foutre. Non mais pourquoi vous m'attaquez? Faut pas que je meure, faut surtout pas que je meure. Parce que je suis déjà mort, tout à l'heure on a fait un boss dans le marais. Bah je vous raconte pas l'enfer. Tout à l'heure on a fait un boss dans le marais, je suis mort combien de fois je suis mort? Je crois que je suis mort 4-5 fois, j'ai atteint la limite de mort possible. Et du coup bah je pouvais pas revenir. Enfin je pouvais revenir mais je dois revenir après, c'était un enfer. Bah attendez, faut que je me heal. Faut que je me heal et j'ai pas de... Attendez, faut que eux me laissent tranquille. Il faut que je me heal. En fait, j'ai pas de bandage. Donc, je vais me healer avec la bouffe. Malheureusement, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais me healer avec la bouffe, mais qui va pas me heal beaucoup. Il faut surtout que les petites bestioles me fichent la paix. Laissez-moi tranquille. Leave Britney alone. Bon, vous voyez, on a la vie du boss qui s'affiche. Là où il y a écrit Huge Mutant. C'est simplement la vie du boss. Ah, mais c'est pas possible. Eux, ils vont pas me lâcher. Mais voilà, eux, pour la zone de neige, les petites bestioles, y'a pas besoin de les tuer. Il suffit juste que tout le monde focus le boss. Et que tout le monde fasse des dégâts au boss, tout simplement. Bon. Eux ils me gavent. En fait le problème c'est ça, c'est que j'ai pas pris de bandage. Du coup c'est très galère de combattre tout en évitant du coup les petites bestioles. Alors on va essayer de faire un peu de dégâts au boss. Hop. Putain, puis en plus sur le téléphone c'est giga galère. Je crois que vous vous rendez pas compte sur le téléphone. Bon, sauf ceux qui jouent sur téléphone. Mais ceux qui comme moi jouent sur tablette, d'habitude je vous avoue que là je joue sur téléphone. C'est vraiment bizarre. J'ai pas l'habitude en fait, c'est ça le truc. J'ai pas l'habitude de jouer sur Discord. Et voilà, d'ailleurs vous le voyez dans le chat là, il y a écrit boss désert. Du coup je vais peut-être essayer de vous record vous savez quoi, on va tenter d'aller faire le boss de désert juste après ça. Non, laisse-moi tranquille toi. C'est un enfer. C'est un enfer, bon vous voyez quand même que le boss on l'a quand même mis assez low life. Il faut que je me régénère par contre, je vais prendre un gros plat.
J'espère que le gros plat il va régénérer mes HP parce que si le gros plat il régénère pas mes HP. Le gros plat régénère pas mes HP. Nice! Nice, nice, nice. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais essayer de me faire un mini bandage rapidement. Je vais récolter ça. Et j'ai vu que tout à l'heure il y avait du feuillage par là-bas. Yes, je vais pouvoir me faire un bandage. Yes, nickel. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir me faire un. Pourquoi je tire? Oh là 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 là. Mec pas doué. Allez, je me tire rapidement. Yes. Ah, attendez, hop. Je vais aller taper un peu le boss vite fait, histoire de lui mettre une ou deux balles. Comme ça, ça montre que bah je l'ai fait et tout, et le jeu va pas m'enlever du truc. Alors attendez, je me mets en hauteur. Je m'agenouille, ça sert à rien. Il y a encore une bestiole qui me suit. Attendez, c'est un enfer. C'est un enfer, il faut que je me tire. D'ailleurs, je vérifie que j'ai bien lancé le record. Yes, parce que imaginez, je suis en train de parler depuis tout à l'heure pour rien. Imaginez, imaginez la honte. Enfin, c'est pas la honte en fait, c'est juste que j'aurais perdu du temps quoi. C'est cool, tranquille. Tranquille, tranquille. Attendez, faut que je me crafte un bandage. Je me fais un bandage. C'est un peu la misère cette vidéo. J'en suis à me faire un bandage quoi. Allez hop, utiliser. J'espère derrière, il n'y a pas de lag ou quoi. C'est la première fois que je record sur le téléphone directement et en plus totalement à l'arrache. Et donc oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, vous le voyez là à l'écran, enfin ça vous l'avez déjà vu je pense si vous farmez le jeu etc. Au bout d'un moment quand vous avez plus d'HP, vous voyez il y a le petit truc, il y a une petite icône rouge au-dessus du personnage, en gros ça dit juste que bah, le personnage a plus d'HP. Et en fait dans les combats de boss, très très souvent, enfin même tout le temps, il y a tout le temps des gens qui tombent au combat malheureusement, qui bah ils se font attaquer par le boss, ils font pas gaffe, genre comme moi là j'ai marché dans la lave du boss et je viens de perdre 3 tonnes d'HP, je vais jamais réussir à finir. Je vais jamais réussir à finir. Je vais bouffer toute ma bouffe en vrai. Je vais bouffer toute ma bouffe et j'espère qu'il y a un truc qui va respawn pour que je puisse me heal. Parce que là c'est vraiment la misère. Donc ouais, il y a les gens qui tombent au combat malheureusement et on peut les relever. Et du coup ça les ramène à la vie. Mais faites gaffe à faire ça parce que du coup au bout d'un moment vous allez simplement mourir. Et perdre un peu de durabilité sur vos vêtements et sur vos armes. Et je perds encore des HP. Pourquoi je me fais hard focus comme ça par les... Bon voilà, des fois il y a 2-3 bugs, hein, le mec là qui vole. Donc là le boss est vraiment vraiment low. Et d'ailleurs un des trucs qui est très important, il faut taper le boss. Faites pas les crevards parce qu'il y a plein de gens qui font ça, qui viennent et ils tapent pas le boss. Mais en fait comme vous le voyez à l'écran, je vais taper, vous allez voir. Il y a écrit du coup, combat mastery increased by 36. En gros ça m'a donné des points d'XP pour la compétence combat. Donc taper les boss c'est très important, ça vous donne beaucoup d'XP. Voilà, c'est petit tuto. Et d'ailleurs j'ai plus de balles du tout. J'ai plus de balles et mon arme est en surcharge parce que j'ai trop tiré avec. Donc attendez, je vais recharger. Hop, hop. Et voilà, je veux surtout pas me faire toucher par les mini-Zia. Enfin par le mini-boss. Et je viens de prendre des dégâts bêtement. Et voilà, le boss est tombé. Si j'ai pas de bêtises, le boss est tombé. Ah non, 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 attendez, là faut s'éloigner. Là faut s'éloigner parce que vous allez voir, il va revenir à la vie. Il va être refull vie, voilà. Ce boss là, il est un peu galère à faire. Honnêtement, ce boss là, il est un peu galère à faire. Mais comme vous le voyez à l'écran, là sa barre de vie tombe très rapidement. Et je suis en train de reperdre des HP. Quand ça c'est que je perds encore des HP. Je suis... Attendez. Faut que j'aille absolument me heal. Je vais taper un peu le boss vite fait. Histoire de le taper. Non. Voilà. Donc là le boss m'a focus. Je suis KO. Mais... Attendez, je vais me tirer. Je vais me tirer de là. Hop. Là j'ai été mis KO par le boss. Mais du coup j'ai une deuxième chance. C'est-à-dire que je peux me heal moi-même. Et revenir à la vie bah, par mes propres moyens en quelque sorte. Bon par contre évidemment faut que je me heal. Du coup je vais essayer de trouver... Hop. Du feuillage. Histoire de me faire un bandage rapidement. Je sais même pas si avec ça je peux me faire un bandage d'ailleurs, j'en ai 5. Est-ce que je peux me faire un bandage? Je peux me faire un bandage, yes. Trop cool. Putain, j'en suis à être content pour un bandage quoi, c'est grave hein. C'est grave mon niveau. Ouais, je suis parti à l'arrache, j'ai pas pris de bandage. J'ai vraiment pas pris de bandage. Bon là normalement c'est la deuxième phase du boss, du coup il prend très très cher assez rapidement. Bon là voilà, là vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est KO. J'arrive, je la rescue totalement. Je vérifie qu'il n'y a pas de bug sur l'écran. Parce que j'avoue que j'ai lancé à l'arrache les gars, mais vous imaginez même pas à quel point j'ai lancé à l'arrache. Bon attendez, il y a du feuillage là. Hop. Et hop. Et voilà. Où est le boss? Le boss est là-bas. Donc ouais, là il y a pas mal de gens qui sont KO mine de rien. Parce qu'en fait avec ce boss là on peut très très vite se retrouver KO par les... Bon on fait pas gaffe, il y a les mini boss qui viennent, qui nous tapent et voilà quoi. Donc ça peut... Le KO peut très très vite arriver. Je suis en train de tout mettre à côté, c'est génial. C'est génial. Puis j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui revive les autres dans la zone. D'ailleurs je vais essayer d'aller revive du monde. Je vais essayer de jouer support un peu et d'aller revive des gens. Bon là je me fais taper du coup voilà. Ça c'est un truc qui est très chiant avec ce boss. C'est que pour revive nos potes bah c'est galère. Parce que y a plein de mini boss qui du coup spawn et nous font suer. Et je me fais retaper par les mini Zia, c'est un enfer. Laissez moi tranquille. Bon là il y a encore un mec qui vient de se faire mettre KO. Je vais essayer de tirer sur le boss.
Bon, je peux pas trop tirer parce que mon arme est en surcharge également. Elle est en surchauffe. Vous voyez qu'il y a l'écran. Oh bah en plus, il y a la tempête qui arrive. Génial. Il y a la tempête qui arrive et j'ai peur d'un truc, c'est qu'avec la tempête, j'ai peur de pas pouvoir récupérer le loot parce qu'en fait, une fois que le boss il tombe, il y a une limite de temps pour réussir à récupérer le loot. Bon, vous savez quoi? Dès que la tempête ça passe à 20 secondes, je vais mettre à l'abri parce qu'en plus j'ai pas beaucoup d'HP et je peux vraiment pas rester longtemps dans le blizzard. Mais là, je pense que tout le monde va aller le taper. Tout le monde va essayer de lui mettre ce qu'il mérite. Histoire de... Je suis à 0 HP. Non, je suis à 0 HP. Non, fous-moi la paix, vite. Faut que je me mette à l'abri. Ouais, alors ça c'est un peu problématique. Des fois le boss il a le focus sur vous et il vous lâche pas, mais genre vraiment pas. Genre voilà, comme ça. Là en fait le boss, enfin, le boss m'a tapé, les petites créatures m'ont tapé, et là je vous avoue que là c'est vraiment la misère. Parce que se faire régénérer, que quelqu'un, en vrai, si quelqu'un me ramène à la vie, c'est formidable. Mais je pense que personne va me ramener à la vie. Parce qu'en plus il y a le blizzard qui arrive. Je suis KO et je vois personne à côté de moi qui pourrait me réa. Donc à mon avis, je vais pas me faire réa, je vais devoir attendre. Et le problème c'est qu'il y a la tempête de neige, avec la tempête de neige, je vais très certainement décéder. Donc là, c'est un peu la solution, la situation un peu critique. Eh, hey, toi tu peux me revive s'il te plaît? Sylve, réa moi s'il te plaît frérot. Il va pas me réa. Il va pas me réa, se dire à sa place, j'aurais fait pareil. J'aurais clairement fait pareil. Donc ouais, là je suis un peu dans la misère parce que bah c'est le boss qui est un peu compliqué. Et en plus de ça, personne vient me réa, c'est génial. Donc là je vais clairement mourir de la tempête. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait c'est le pire bail, c'est mourir comme ça. C'est mourir quand vous êtes à genoux, il y a la tempête. Soit la tempête dans le désert, soit le marais, il y a le gaz qui arrive et tout. Soit vous êtes dans la neige et vous mourrez de la tempête de neige. Parce que là le blizzard va me faire un peu mal. Et je pense pas tenir jusqu'à la fin de la tempête. En plus, en fait il faut que je tienne vivant jusqu'à la fin de la tempête. Et il faut que quelqu'un me réa avant que le boss parce qu'en fait le boss il tombe. Une fois que le boss il meurt, vous avez genre je crois c'est un truc genre 20 secondes ou quoi pour récupérer le loot. Bon là le boss, vous voyez que le boss se barre et du coup vous avez genre 20 secondes pour récupérer le loot. Du coup faut que le boss tombe. Faut que les gens sortent parce que, alors c'est le blizzard, mais faut que les gens sortent. Il faut que je me fasse réanimer, j'ai 3 minutes 30 pour me faire réanimer. Là c'est vraiment c'est critique, critique comme situation. Bah, y a le boss qui arrive près de moi. Voilà, bah, je suis pas le seul, ceci dit, dans la merde. Hein, on va pas se mentir que clairement je suis dans la merde. Y a plein de mini IA qui sont plutôt en mode. Il neige, mais chez eux ça va. Hein. Chez eux ça va clairement. Ça va. La neige les dérange pas. La neige les dérange clairement pas. Ah, y a BFA qui dit help dans le chat. Bah, désolé, on peut pas t'aider. Enfin, moi je peux pas t'aider là, clairement. clairement, je peux. Désolé, je peux rien faire du tout. Bon bah j'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas pour le gameplay n'hésitez pas et j'ai l'impression que la qualité est presque mieux que sur l'iPad en fait. Et d'ailleurs il y a le fond vert qui déconne là. Regardez. Ouais parce qu'en fait le problème de là c'est que bah je dois attendre 2 minutes 42 la fin de la tempête et que quelqu'un me réa. C'est vraiment pire situation possible quoi. Après peut-être que les mecs qui sont sur place, enfin les mecs et les filles qui sont sur place vont réussir à tuer le boss. Ah ouais le boss il a quand même pas mal de vie. Oh, il va me réanimer, il va tenter un truc. Alors, merci pour l'effort. Merci pour l'effort, mais... Voilà. Alors, ah oui, il y a une question qui va être posée, je pense, dans les commentaires. Et qui va me dire, pourquoi est-ce que tu cliques pas sur Give Up? Parce que vous savez, quand vous êtes mort et que vous cliquez sur... Bah, allez-y. Non, mais passez-moi dessus, à la limite, vas-y, c'est... Allez-y, madame la marquise, passez-moi dessus, voyons. Vous avez tous les droits, ici. En gros, si je clique sur Give Up, ça va me faire respawn à un endroit aléatoire de la map. Du coup, en gros, je peux me retrouver à l'autre bout de la map, tout simplement. Et en plus de ça, ça me fait perdre la durabilité sur mon vêtement, enfin sur mes vêtements, sur mon arme à feu, si je dis pas de bêtises, et sur je sais plus quoi d'autre. Donc ouais, c'est pour ça que je clique pas sur Give Up, parce que sinon, je vais respawn à un endroit inconnu de la map et ça va être la galère. Et en plus ça, j'ai 1 minute 40. Et là, on est tous comme des clampins à être morts. Et le pire, c'est que le boss... le boss peut tout simplement despawn, c'est à dire que le boss il peut se barrer à tout moment. Voilà, c'est ça le pire en fait. C'est que là ça se trouve, je vais cliquer sur. Enfin, j'ai pas cliqué, mais une fois que le timer à give up il sera fini, bah on n'aura pas réussi à faire tomber le boss. Le boss va se barrer, moi je serai mort, j'aurais perdu du stuff et tout, et voilà. Donc, ah yes, le blizzard s'est arrêté. Il y a la cabane qui est du coup en face, je sais plus trop où. Donc, à mon avis, on va voir des gens arriver et il y a des gens qui vont pouvoir nous sauver. Voilà, regardez, là, nickel. Là, il y a un frérot qui vient me sauver la vie. C'est formidable, merci à toi. Merci à toi, mon frérot. Et voilà. Ça, c'est un mec bien, ça. Ça, c'est un mec bien. Il est où, le boss? Voilà, donc là, le boss, il a AFK parce que bah, il n'y avait plus personne qui le tapait.
Et du coup, il se régénère, évidemment. C'est abusé, ça me saoule. Alors attendez, il faut que je me barre, il faut que j'aille me chercher un bandage. Il faut absolument que je me fasse un bandage, sinon je suis dans la mouise. Bon, en gros, voilà. Oh non, le boss il vient vers moi, le boss il vient sur moi, le boss il vient sur moi. Non, 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 mauvais bail. Et il y a les militaires à côté. Non, 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 bah non, en fait je peux pas aller par là, il y a les militaires après. Il y a les militaires, gros, il y a les militaires. Ah, c'est bon, le boss a plus de focus sur moi, par contre je peux pas aller récupérer mon herbe. Parce que tout simplement bah, le boss a mis sa baffe dessus. Je croyais qu'il y avait un mini boss. Ah attendez, faut vraiment que j'aille récupérer cette herbe. Faut vraiment que j'aille récupérer ça. Et que je me crafte un bandage rapidement, s'il te plaît, dépêche-toi. Yes! Ouais, t'as froid, frérot, je suis désolé. Promis, après je te dorlote. Promis, promis. Bon alors, où est-ce que le boss a craché? Parce qu'il faut surtout pas que je marche dedans, là, vu le peu de vie que j'ai en vrai. Et mon chien il devient ami avec d'autres chiens, bah génial. Génial le jeu, bravo. Enfin le jeu, le chien plutôt. Bravo le chien, bravo Nils. Bon là vous voyez que le boss il va tomber. Vous voyez qu'il a plus beaucoup de vie et que sa vie elle descend. Parce que bah au bout d'un moment c'est, comment dire, c'est HP max descend également. On va du coup le taper, on va en profiter. On lui met ce qu'il mérite et voilà. Enfin on essaye de lui mettre ce qu'il mérite du moins. D'ailleurs je suis un très mauvais tireur. Hop, non, mon niveau, putain, c'est grave. Le pire, c'est que, en fait, pour ceux qui savent, du coup, le rôle sans survie. Oh, et puis je me fais taper par les zombies et par les mini-boss. Et en plus, je me fais taper par le boss. Ouais, génial. Allez, hop. Allez, hop, on recule. Du coup, ouais. Et puis en plus, il y a un ours. Bah, nickel. Non, mais tapez-moi tous, les gars. Tapez-moi tous. Mettez-moi ce que je mérite. Allez, hop, c'est parti. N'importe quoi. Et en plus, je vais être mis KO. Il faut que je me mette dans un coin pour qu'on me réa. C'est trop la merde, là c'est vraiment la merde. Attendez, hop. Non, arrête de tirer, je suis en HP, putain, je suis en HP. Vite, 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 crafte-toi un bandage. Je peux même pas me crafter de bandage. Et là je vais décéder, voilà. Je suis remort et je suis mort dans un coin où personne va me voir. Donc j'espère qu'on va me voir rapidement. Sinon je dois faire give up et revenir. Je voulais juste aller me chercher de quoi me faire un bandage. Oui, on m'a vu, non. Là, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois que je meurs dans la zone. Oh, il y a un frérot qui va me réanimer, merci. C'est la deuxième fois que je meurs dans la zone. Là, je vous avoue que je vais prendre aucun risque. Je vais chercher de quoi me faire un bandage. Hop. Je cherche de quoi me faire un bandage. Je me heal et je tape le boss rapidement histoire de taguer dessus. Et ensuite, j'arrête. Et ensuite, j'arrête, je me mets dans un coin. Parce que là, c'est trop risqué. Là, la prochaine fois que je meurs, je vais perdre tout mon stuff. Tout simplement. Donc voilà, je vais juste aller taper le boss histoire de le taper. Hop, et après j'arrête, je fais le mec qui vient et qui ramasse. Et voilà, je reprends des dégâts, c'est ouf. Insane. Ceci dit, le boss, en général, quand là le boss c'est quand même vachement low life, tout le monde se met à le taper. Parce que bah tout le monde sait que c'est la fin. Et que voilà, tiens, bah d'ailleurs je vais aller réa le mec qui est là-bas, qui est en train à moitié de se TP en l'air. Et je vais aller le réa. Hop. Ok, pas de mini boss sur moi, pas de mini boss sur moi, pas de mini boss sur moi, please. Voilà, ok, la bonne action. Et il y a toujours le boss à qui il reste très peu d'HP, voilà. Donc on va quand même réussir à le tomber. Oh non, je viens de te réa. Ah non, c'est pas lui que j'ai réa. Je sais plus qui j'ai réa. Bref, évitez de mourir s'il vous plaît les potos. Évitez de mourir. Oula. Ah oui, c'est passé devant l'écran, mais ouais, c'était chaud hein. C'était chaud, c'était chaud. D'ailleurs attendez, je vais recharger rapidement. Je vais recharger. Je viens de voir que j'ai plus de balles. Je serais bien les mettre 2-3 balles au boss, histoire de le finir en fait. Ah, j'ai pas pu recharger au max, mince. Ma box, elle est morte. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Hop, histoire de taper un peu le boss quand même, participer au truc, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, là, vous voyez que le boss est bientôt mort. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le boss est bientôt mort. Allez, s'il te plaît. Mon arme, elle est en feu, là. Mon arme, elle est en feu. Vous le voyez à l'écran, il y a le petit logo comme quoi l'arme, elle est en feu. Comme quoi, je m'en suis trop servi. Du coup, je vais arrêter de m'en servir parce que sinon, elle va me casser entre les mains. Et je peux encore la réparer et tout. Du coup, j'ai pas envie de la casser. Mais vivement que le boss tombe. Parce que là, j'avoue que là, cette vidéo... What? Oh, le pay to skin. Putain. Bon, bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que c'est une méga galère. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et tout. Parce que je vous avoue que pour des vidéos comme ça où c'est autant galère, ça me remonte le moral quand je vois qu'il y a des gens qui supportent et tout. En fait, le problème de ce genre de vidéo, c'est que je peux pas la faire dans les conditions optimales. Parce que bah, tout simplement, je peux pas prévoir le boss vu qu'il spawn aléatoirement. Et qu'on a genre 3 minutes pour arriver dans la zone et commencer à taper le boss et voilà quoi.
Surtout que si je veux vous montrer le boss en entier, je suis obligé d'être là au début, histoire de vous montrer toutes les vagues, le moment où il revient à la vie et tout, et voilà quoi. Donc ouais. Voilà, je peux rien faire malheureusement. Je vais lui mettre quelques derniers coups vu qu'il est vraiment low life, histoire qu'on en finisse un. Non, mais je suis encore en train de me faire taper. Sérieusement. Vous voyez, j'ai dit, il faut que j'arrête de taper. Je retape et du coup, je reprends des dégâts. T'as un putain de calvaire, j'ai plus de bouffe. Et y'a plus d'herbe sur. Si, y'a de l'herbe là-bas. Ah ouais, y'a de l'herbe là-bas, mais y'a le boss à moitié dessus, quoi. Génial. Attendez, faut que j'aille chercher de récupérer les feuilles là. Le petit buisson. Je sais même pas si je pourrais faire un bandage avec ça en fait. Est-ce que je peux faire un bandage avec ça? Yes! Oh, putain, ça aurait été galère cette vidéo. Hein. Cette vidéo aurait été d'une galère! Non, le boss arrive. Je me tire. Ouais, je me tire, les gars. Merci de le finir. Merci à vous. Moi, je me tire. J'irai réa les gens après. Ah, le boss est tombé! Yes! Donc voilà, le boss est tombé. Vous voyez tout le monde qui fonce dessus. Et du coup. Search, et en gros ça me donne 500 barres de gold, 800 skill points, 500 dollars, 5000 points de combat, et après du coup il y a des ressources un peu rares, et voilà. Donc on prend, on vérifie qu'il n'y ait personne à réa, parce qu'en général il y a des gens qui meurent, et voilà. Et une fois du coup que vous avez fait tomber le boss, il reste les bébés boss, voilà, tout simplement, on va les appeler les bébés boss, ils restent en vie, et voilà. Et attendez, ah mais non, je suis con, je rentre à la base et je vais mêler à la base. Donc oui, voilà. Sachez que des boss comme ça dans les zones PVE, du coup, bah pas PVP, PVE tout simplement, du coup le player versus environment, il y a du coup bah un boss dans chaque zone, il y a même des boss dans les zones PVP, etc. Mais comme je vais pas trop dans les zones PVP, je pense pas que je vous ferai de vidéo là-dessus, mais j'essaierai de vous faire une vidéo par boss du coup de zone et tout simplement. Donc voilà, ensuite on va à l'hélicoptère, par contre j'ai déjà pris toutes mes récompenses quotidiennes, je crois. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est bon à savoir, ok. Bref, donc voilà, je rentre au coin. The time, yes, maximum survive, yes, my friend. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aurait été très galère. Honnêtement, je suis pas mort beaucoup de fois. Parce qu'il y a des fois où vraiment on va mourir 3-4 fois quand on fait pas gaffe, et voilà. Bon, je crois que je suis mort quand même 3 fois. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi si vous voulez une vidéo pour chaque boss de chaque zone et tout. Ça va être giga galère à vous record, mais je vais essayer de record ça si ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.